En 7 points, les gardiens de la tradition Sawa du Vouri ont présenté la situation de ce département. Il est question d'apprécier chaque action sociale. Ici, on a constaté qu'entre juin 2023 et juin 2024, des choses sont faites. Donc nous ne sommes pas là uniquement pour critiquer. Quand c'est bon, quand ça évolue, on le dit. Et nous tenons à féliciter le maire de la ville pour les efforts qui sont faits. Nous avons souhaité qu'il insiste auprès des ingénieurs pour que ces travaux soient plus durables. Parce qu'on revient sur les mêmes travaux peut-être parce qu'on n'a pas veillé à la durabilité après. Donc il y a ça, mais nous avons aussi interpellé les populations. C'est bien de vouloir les routes. Mais à quoi ça sert qu'on cure les caniveaux si 2 heures après nous devons encore jeter les ordures? À quoi ça sert qu'on cure les caniveaux si nous devons boucher les voies d'écoulement des eaux? À quoi ça sert qu'on dise à la mairie d'être vigilante si nous-mêmes nous construisons sans tenir compte des normes d'urbanisme? Voilà. Au-delà de ceci, les chefs relèvent pour le déplorer la hausse des coûts de la carte nationale d'identité et de certains impôts. Soulever un certain nombre de problèmes, que ce soit la voirie, que ce soit les impôts, quand même. Vous avez tous vu que ces derniers temps, il y a certains services de l'État dont le coût a été multiplié par 2, voire par 3. C'est difficile et il faudrait que nous, en tant que porte-parole de la population, quelque part, nous le fassions savoir aux autorités. Mais en même temps que nous disions à la population que peut-être qu'il faudrait faire cet effort, à condition que les gouvernants donnent aux sommes ainsi collectées une bonne direction, c'est-à-dire l'intérêt supérieur de la nation. La participation à l'édification d'une nation passe par le choix de ses dirigeants. Les jeunes sont donc appelés à jouer leur partition, non sans tourner le dos à la consommation des drogues et autres stupéfiants. On a également voulu attirer l'attention de divers acteurs par rapport aux échéances qui arrivent, en commençant par nos propres enfants qui doivent bouger, qui doivent militer, qui doivent s'inscrire sur la liste électorale, qui doivent être prêts. Il faut changer cette perception qui fait dire à certains que le peuple Sawa passe son temps à pleurer, pose pas des actes, ce n'est pas toujours vrai. Mais en tout cas, il faut qu'en 2025, on montre que nous sommes présents. La communauté Sawa du terroir et de la diaspora, désormais vigilante quant à la préservation du patrimoine Sawa, est félicitée. Celle-ci doit utiliser à bon escient les réseaux sociaux. La jeunesse est beaucoup plus tournée vers l'extérieur et c'est d'ailleurs à dessein. Ceux qui créent ces réseaux sociaux veulent justement détourner la jeunesse africaine de nos valeurs vers les leurs. Mais il y a aussi notre part de responsabilité. C'est-à-dire qu'il faut que dans nos différentes chefferies, nous créions des conditions, nous ayons des centres culturels, cases sociales, appelons ça comme on veut, nous ayons des activités qui ramènent les jeunes vers les villages. Ce n'est pas toujours difficile, c'est pas toujours facile parce que la tradition est agressée en permanence dans le monde d'aujourd'hui, par tous les moyens, toutes nos valeurs sont bafouées. Et les chefferies ont été également tellement comprimées par le nouveau pouvoir, le pouvoir étatique hérité du colon, qu'elles n'ont plus toutes les marges de manœuvre. Le Vouri est entouré d'eau mais n'a pas de plage. Il subit de nombreuses interruptions de l'énergie électrique, de fournitures en eau courante. À cela, il faut ajouter les nuisances sonores. Voilà quelques autres problèmes relevés et soumis aux autorités administratives pour le bien-être des populations du Vouri. Comme il est de coutume, l'association des chefs traditionnels des villages Sawa du Vouri était réunie le 16 juin dernier. La rencontre visait à faire un check-up du département. Les conclusions ont été présentées ce 2 juillet 2024 au cours d'un